gloire à Dieu. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, je suis dans la joie lorsque je prononce ton nom, lorsque tu décides que ta créature devienne ton enfant, lorsque, Seigneur, tu choisis l'homme parmi tant d'autres pour être ton image et ta ressemblance. Seigneur, lorsque tu décides d'habiter dans un corps humain, Seigneur, quelle joie de te recevoir dans notre corps. Ô Jésus, un vase de terre qui reçoit le Créateur. Sois béni, Seigneur, ce soir. Sois exalté ce soir. Sois célébré. Seigneur, nous savons que les mots humains ne peuvent pas mieux exprimer ce que nous ressentons. C'est pourquoi nous réclamons la présence de ton Esprit Saint en nous, afin que par le Saint-Esprit, nous t'apportons la louange qui t'est due. Sois béni ce soir, parce que tu prépares ton assemblée. Oh Jésus, sois exalté pour ta présence et pour tout ce que tu as déjà commencé de faire. Parce que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Merci, toi qui t'appelles fidèle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous prenons notre texte de base, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce soir, nous allons parler du parler en langue. Et nous allons voir son importance dans la vie chrétienne, son importance dans le croyant. Le parler en langue, c'est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 disciples à la chambre haute. Et trois événements se sont produits: le vent, le feu et le parler en langue. Parmi ces trois événements, ce qui était évident,
comme un signe visible qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas le feu, ce n'était pas le vent. Ces signes se sont produits avant le baptême du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ces signes se sont produits. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple de Jérusalem, Salomon est resté en train de prier Dieu. Et le feu est descendu du ciel pour consumer l'Holocauste. L'Holocauste est un sacrifice qui est donné à part entière à l'Éternel. Dieu a approuvé cette construction. Il a exaucé la prière de Salomon par le feu descendu du ciel. Quand les prophètes de Baal ont fait leur manigance, il s'est moqué d'eux. Après, il a dit au Seigneur, aujourd'hui, il faut montrer aux yeux de ton peuple que c'est toi qui es le vrai Dieu. Ramène le cœur de ton peuple vers toi. Le Seigneur a exaucé la prière d'Élie par le feu descendu du ciel. Alléluia. Jésus a présenté les prémices de sa récolte à Dieu. Dieu l'a approuvé par le feu qui est descendu. Amen. Le vent. Lorsque Élie a fui Jézabel, il est allé chercher Dieu. Il a même demandé la mort. Le Seigneur l'a dit, je n'ai pas fini avec toi. Tu ne mourras pas. Au contraire, il a envoyé ses soldats pour le nourrir. Il a pris le gâteau cuit avec de l'eau. Mange et bois parce que la route est encore très longue pour toi. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Il est arrivé sur le mont Horeb. C'est là-bas qu'il s'attendait à la venue de Dieu. Amen. Il y a eu un tourbillon. Le Seigneur n'était pas dans le tourbillon. Il y a eu un vent violent. Le Seigneur n'y était pas. Il y a eu plusieurs signes. Mais quand il y a eu un vent léger, avec des murmures, il a compris que c'est l'Éternel, le seul Elohim d'Israël qui avance. Alléluia. Il s'est incliné. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai défendu ta cause. Mais tous ceux qui étaient tes prophètes, on nous a tous tués. Je suis resté le seul survivant. Alors je ne suis pas meilleur que les autres. Prends ma vie. Je suis resté seul. Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. J'ai réservé encore d'autres personnes qui sont là. Tu n'es pas seul. Ces deux signes, le vent et le feu, se sont manifestés dans l'Ancien Testament. Mais la langue que nous allons voir ce soir était réservée spécialement pour la nouvelle race humaine, pour le nouveau peuple de Dieu, le peuple qui sera le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors c'est ce signe qui sera le signe palpable du baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir que après la Pentecôte, partout où on a parlé du baptême du Saint-Esprit, les gens ont parlé d'abord en langue pour prouver qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Après le baptême de la Pentecôte, les Samaritains ont reçu leur Pentecôte. Philippe est allé
prêché là-bas, les gens se sont convertis, on les a baptisés d'eau. Mais la Bible dit l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Pierre et Jean sont partis, ils ont prêché, ils leur ont imposé les mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'ils ont parlé en langue. Mais il y a eu un signe évident qui a poussé Simon, le magicien, qui s'est converti au christianisme. Et il a appelé Simon Pierre. Il s'est converti, mais son arrière-plan est encore là. Mais tiens, ça c'est une bonne chose. Je peux remplacer ma magie par ça. Yo, tiens. Tiens cette somme, donne-moi ton pouvoir. Quand je vais imposer les mains aux gens, alors ce signe-là va aussi apparaître. Simon Pierre va lui dire, toi et ton agent, vous périrez. Parce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Répands-toi. Il dit, toi-même, il faut prier pour moi, de peur que ce que tu as dit ne m'arrive. Qu'est-ce qu'il a vu? Et il allait donner l'argent. C'est le même signe du jour de la Pentecôte. Le parler en langue. Alléluia. Nous voyons Simon-Pierre chez Corneille. Un juif. Il ne va jamais chez un homme, un païen. Quand on dit un païen, il ne s'agit pas de celui qui n'est pas converti au christianisme. Non, le païen, c'est celui qui n'est pas juif. Amen. Et Corneille était un Romain qui est devenu judaïsant. Quand bien même il a embrassé la religion des juifs, il n'a pas droit de rentrer dans le temple. Les prosélytes restent à la terrasse pour écouter. Il ne doit pas rentrer là-bas. Parce que selon les juifs, Dieu là, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les autres. Dieu va se révéler à Simon-Pierre. Avant de partir, Dieu va corriger sa mentalité. Il reçoit une révélation dans laquelle il y a une nappe qui descend du ciel et il y a des animaux impurs. Il n'y a que des animaux impurs dedans. Et il entend, tue et mange. Aïe, comment? Ça, c'est des animaux impurs. Comment moi, je vais tuer pour manger? Trois fois. La voix lui dit, ce que moi, j'ai déclaré pur, ne déclare pas impur. Amen. Il se lève, il est en train de réfléchir à cette vision. Et l'Esprit de Dieu lui dit, il y a trois personnes qui te cherchent. Mais moi je te dis, va sans hésiter. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'envoie. On est en train de les chercher, il sort, il n'a pas dit qui cherchait. Il dit, celui que vous cherchez là, c'est moi. Venez. Il les a écoutés. Il a déjà reçu l'ordre de partir. Puis il est parti. Quand il est arrivé, la première des choses, il dit, avant de venir ici, j'ai appris que partout dans le monde, Dieu ne fait exception de personne. Celui qui craint Dieu, il a la faveur de Dieu. Maintenant, je suis venu. Quel est l'objet de votre invitation? Corneille s'est levé, comment il a reçu la visite d'un ange, comment l'ange lui a dit, c'est vrai, tu es judaïsant, mais appelle celui qu'on appelle Simon-Pierre, il va te montrer le chemin du salut. Amen. C'est pour ça que tu es venu, nous voulons t'écouter. Ce sont les païens, il a invité ses frères, des Romains, remplis la salle. Simon-Pierre s'est mis à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à mort et à sa résurrection. La Bible dit, il est resté
en train de parler. Et le Saint-Esprit est descendu sur toute la maisonnée. Les Juifs qui ont accompagné Simon Pierre, ils ne croyaient pas au départ. Ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui va leur donner cette évidence? Ils entendaient ce Romain-là, d'autres en train de prier dans leur langue maternelle, de glorifier Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Alors je dis, donc Dieu ne fait plus de différence entre les païens et nous. Il leur a accordé cette bénédiction-là aussi. Simon a reçu sa part, ses amis qui devaient accuser Simon, ils ont aussi reçu leur évidence par le parler en langue. Alléluia. Donc partout où on a parlé du baptême du Saint-Esprit, c'est toujours accompagné premièrement du parler en langue. C'est vrai, il y a d'autres signes, mais le premier signe, c'est le parler en langue. Alléluia. Alors, bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre cela. Le parler en langue est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une expression inspirée de l'Esprit qui permet aux croyants de s'exprimer dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Alléluia. C'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit. Des expressions inspirées de l'Esprit de Dieu et qui permet aux croyants de s'exprimer dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise. C'est ça le parler en langue. Je dis bien qui n'a jamais appris. Amen. On a dit dans le texte de base, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le parler en langue, ce n'est pas une initiative humaine. Parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Le plus souvent, quand la prière est intense, on est fatigué. Mais les gens, les dirigeants continuent de dire, « Priez! Priez! » Comment je vais faire? Et puis, on va me laisser tranquille. On a fait avec un jeune. Pendant que la prière était chaude, on luttait, on imposait les mains. Il y a un frère qui est parti lui imposer les mains. « Priez! 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 » Le jeune Ivoirien, il a vécu avec les Morés. Il a commencé à parler le Moré. Le dirigeant ne sait rien de tout ça. Il dit, continue, gloire à Dieu. Après, il a laissé. Il dit, enfin, il est allé s'asseoir. Mais est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Il a parlé le Moré. C'est une langue qu'il a apprise. C'est pourquoi on dit c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et l'expression là, c'est dans une langue qu'on n'a jamais apprise. Donc si tu comprends une langue que tu parles ici, ce n'est pas parler en langue. Alléluia. C'est vraiment important parce que nous allons voir le rôle du parler en langue. Son importance dans la vie du chrétien. Donc il faut connaître tout ça. Amen. Le langage peut être connu des hommes, selon Actes chapitre 2 verset 6, ou inconnu sur la terre, 1 Corinthiens 13 verset 1. Alléluia. Dans notre thèse de base, il est dit que les Juifs qui étaient venus de divers pays
chacun les entendait parler dans leur langue maternelle. Donc c'était un langage qui était connu des autres, mais celui-même qui est en train d'exprimer, de s'exprimer dans cette langue-là ne comprend pas, il n'a jamais appris. Donc parmi vous, si le Wolof se met tout de suite à parler en langue, en train de parler le Yakuba qui est ma langue, moi je peux comprendre, lui il ne comprend pas. Mais il est en train de glorifier Dieu. Moi je vais l'entendre. Alléluia. Ça donne une conviction. Nous avons reçu le témoignage d'un chrétien qui voyageait avec un arabe. Ils étaient sur le même siège dans l'avion. Le monsieur, quand il a vu la Bible de notre chrétien, il veut se moquer de lui. Monsieur, vous êtes chrétien, on dirait. Il dit, oui, je le suis. Vous êtes chrétien. Il dit, Jésus est le fils de Marie. Et Dieu, il a commis adultère ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune, il a levé les yeux vers le Seigneur parce qu'il veut expliquer de façon claire pour que le monsieur comprenne. L'Esprit de Dieu lui dit, parle en langue. Alléluia. Lui veut expliquer de A à Z, mais l'Esprit de Dieu lui dit, parle en langue. Quand il a ouvert la bouche pour parler en langue, il s'est mis à parler en arabe, décrit la vie du monsieur qui est assis. Décrit de A à Z, le monsieur s'est mis à trembler. Il dit, vous comprenez l'arabe? Il dit, non, moi j'ai prié, je n'ai fait que prier. Il dit, c'est fou, vous connaissez ma vie. Priez pour moi. Priez, tout ce que vous avez dit est vrai, priez pour moi. Alléluia. Donc si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, sachez que ça joue des rôles importants dans la vie du chrétien. Amen. Donc ne jouez pas avec ça. C'est très important pour nous, chrétiens. Amen. Alors, le parler en langue n'est pas un discours extatique. C'est-à-dire être en extase. Pendant qu'on est en train de parler en langue, on est en transe, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. C'est quand on a fini de parler, qu'on se retrouve, on dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai rien compris, moi-même je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas ça le parler en langue. Si c'est ça qui t'est arrivé, viens, on va procéder à ta délivrance. Alléluia. Le parler en langue, celui qui parle en langue, il est conscient qu'il est en train de parler en langue, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il est conscient qu'il est en train de parler en langue. Il n'est pas en extase. Il n'est pas en transe. Vous comprenez? Donc il est bon de comprendre et de faire la différence. Vous êtes dans un milieu où les gens sont en transe, sachez que Dieu n'est pas là. Parce que je connais les milieux où on tombe en transe et puis on parle en langue. Ici, il n'y a pas encore beaucoup d'églises au Sénégal. Mais chez nous, chaque jour, ça pousse comme champion. Chaque jour. Ce que nous appelons christianisme céleste là-bas, le christianisme, ils sont déjà au ciel. Mais leur parler en langue là, ils sont en transe. Les yeux sont rouges. Et ça, ce n'est pas le parler en langue dont la Bible parle. Amen. Donc, ce n'est pas, on n'est pas dans un état extatique. Le parler en langue, en tant que signe visible
initiale du baptême du Saint-Esprit est une manifestation inspirée à travers laquelle l'esprit du croyant et l'Esprit Saint s'unissent dans une louange verbale. Alléluia. L'esprit humain, ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu pour apporter une louange verbale. Une louange à l'Éternel. Et cette louange, c'est le Saint-Esprit qui communique à ton esprit. C'est ça, le parler en langue. Signe initial. Amen. Donc, le chrétien a besoin d'unir son esprit à l'esprit de Dieu. Quand on voit les chrétiens prier, si vous voyez que votre prière ne va pas loin, c'est parce que votre prière est superficielle. Votre esprit n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu. Amen. Tu veux avoir une vie de prière, il faut apprendre l'adoration. Alléluia. Tu veux avoir la vie de prière, il faut apprendre la louange. Si tu aimes chanter, si tu penses à ce que la chanson dit, tu connais, tu vois les mots, chaque mot à sa place, et tu es en train de vivre ce que la chanson dit, tu vas oublier ton entourage. Alléluia. Et cette chanson va terminer par la louange. Pour tous ceux qui ont fait l'expérience, arrivé à un moment, tu ne peux plus arrêter la chanson. Parce que l'Esprit de Dieu est maintenant en communion avec ton esprit. Et là, tu finis par la louange. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Et maintenant, quand les mots manquent, le Saint-Esprit maintenant, il t'apporte les paroles. Et tu pries en langue. Gloire à Dieu. Ce soir, je ne veux pas qu'on fasse une prière légère. Je veux qu'on rentre en soi-même. Parce que c'est pour ça que le parler en langue est venu. Entre en toi-même. Bien-aimé, c'est très important. J'ai lu un témoignage sur le net. Un frère en Christ. Il était malade à l'hôpital. On lui a donné l'oxygène pendant 2 heures. Et après, on envoie une facture de 500 000 francs. On lui dit, les 2 heures, c'est 500 000. Il est couché, il a regardé le ciel. Les larmes ont commencé à couler. Le docteur dit, non, vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de pleurer, vous n'avez personne pour vous aider, vous n'avez pas de parents, vous. Il dit, monsieur le docteur, je ne prie pas parce que l'argent manque. J'ai fait 2 heures sous votre oxygène, l'air artificiel. Vous me demandez 500 000. Mais depuis que je suis né, jusqu'à mon âge adulte, je respire l'air de Dieu sans donner 5 francs. Vous comprenez pourquoi mes larmes coulent? Vous voyez la dimension de l'amour de Dieu. Le docteur restait tranquille. Il a compris que cet homme, il est en communion avec Dieu. Alléluia. C'est ça la prière qu'on vous demande ce soir. Il a levé les yeux pour voir la réalité des choses, la dimension de l'amour de Dieu pour nous les humains. Depuis que je suis né, mon cœur bat, ça ne s'est jamais arrêté. Depuis que je suis né, l'air de Dieu, le souffle de vie est en moi. Je ne donne pas 5 francs.
Le Saint-Esprit a fait exprès pour m'envoyer ici. On me dit 2 heures de temps pour l'air artificiel, c'est 500 000. Pourquoi ne pas glorifier mon Dieu? Pourquoi ne pas le louer? Alléluia! Voilà les raisons pour lesquelles nous devons prier, nous devons louer, nous devons nous unir à l'Esprit de Dieu pour apporter la louange. Les 120 dans la chambre haute glorifiaient Dieu dans leur parler en langue. Leur esprit était uni à l'Esprit de Dieu. Ils ont apporté la louange au Seigneur. Amen. Tous ceux qui les ont entendus, ils étaient stupéfaits. Ils étaient dans la joie. Ils ne comprenaient pas pourquoi ceux qui sont galiléens, ils peuvent parler en araméen, ils peuvent parler dans la langue syrienne, ils peuvent parler dans la langue de... Enfin, tout ce qu'ils ont cité dans la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ne comprenaient pas. Alors Simon-Pierre va leur expliquer. C'est ce que Joël a dit, qui vient de se réaliser. Amen. Le parler en langue, nous avons dit tout à l'heure, en tant que signe initial du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il y a aussi le parler en langue don spirituel. Alléluia. L'apôtre Paul a cité dans 1 Corinthiens chapitre 12, 9 dons spirituels, regroupés en 3 groupes. Chaque groupe est composé de 3 dons. Dans les révélations, nous avons la sagesse, la connaissance et le discernement. Dans de puissance, nous avons la foi, guérison, miracle. Dans d'inspiration, nous avons la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Donc, le parler en langue en tant que don, puisque nous sommes en train de parler du parler en langue, est également décrit comme un don spirituel accordé aux croyants. Ce don a 2 buts principaux. Le parler en langue, accompagné de son interprétation, est utilisé lors du culte public pour communiquer un message à l'assemblée, afin que tous puissent prendre part au même moment à l'adoration et à la louange dirigée par l'Esprit. Alléluia. En tant que don, on ne parle pas cette langue comme quand on veut. Le signe initial, dès que tu te mets à genoux, si tu veux, tu peux commencer par le parler en langue. Si tu veux, tu peux commencer avec le langage intelligible et puis après tu rentres dans le parler en langue. Mais en tant que don, c'est de façon spontanée, au moment opportun, quand il y a un besoin. C'est là que le Seigneur fait descendre ce don sur la personne qui a reçu ce don. Alors la personne va maintenant parler, il va se tenir debout et parler en langue publiquement. Quand il a parlé, alors il interprète ce qu'il a dit. Amen. Parce que ce qu'il a dit en langue, personne ne le comprend. Il faut l'interprétation. Donc Paul dit, celui qui parle en langue, qu'il prie pour recevoir l'interprétation. Amen. Autrement dit, si tu as ce don et que tu n'as pas l'interprétation, si dans la salle il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues, il vaut mieux ne pas parler en langue dans l'assemblée. Il s'agit de dons. Alléluia. Il ne s'agit pas de parler en langue signe initial du baptême du Saint-Esprit, mais de parler en langue don spirituel.
C'est quand il y a un message que Dieu veut apporter à son assemblée que ce parler en langue se manifeste et ce message est transmis, c'est-à-dire interprété dans une langue connue. Quand c'est transmis dans une langue connue, alors ce parler en langue est l'équivalent de la prophétie. Amen. C'est ça, le parler en langue don. Ça ne se manifeste pas à tout moment. Amen. Ça ne se manifeste pas, ce n'est pas un culte personnel. Pour dire que tu vas parler en langue dans ta chambre, tu vas interpréter. Non, il y a beaucoup d'erreurs, on voit. Hein? Il y a des gens qui ont parlé en langue à la maison. Les problèmes sont venus à l'église pour que le pasteur règle ça. Alléluia. Le parler en langue accompagné de son interprétation est utilisé lors du culte public, comme je l'ai déjà dit. 1 Corinthiens 14, 5 à 6. Deuxièmement, le croyant se sert du parler en langue pour s'adresser à Dieu lors de son culte personnel et ainsi édifier sa propre vie spirituelle. Ceci revient à parler le langage de l'esprit pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, le parler en langue, donc, premièrement, ça s'adresse à l'assemblée. Deuxièmement, quand tu veux faire ton culte personnel, il n'y a personne avec toi. Il n'y a pas question d'interpréter. Amen. Alors, quand ton esprit est uni à l'esprit de Dieu, tu rentres dans cette prière. Amen. Le croyant se sert du parler en langue pour s'adresser à Dieu lors de son culte personnel et ainsi édifier sa propre vie spirituelle. Ceci revient à dire qu'il a utilisé le parler ou bien il a parlé le langage de l'esprit pour prier. Il a utilisé le langage de l'esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme nous allons le voir maintenant, nous aide dans beaucoup de domaines. Nous conduit dans la prière. Si tu n'as pas un culte personnel, ton évolution ne sera pas vite. Le culte personnel, bien-aimé, mettez-vous à l'écart. Même si vous avez des enfants, chercher un lieu où il n'y a pas d'enfant, où il n'y a pas madame pour dire, chérie, je peux te parler? Papa, tu sais qu'il faut me donner ton portable là, je vais. Non. Écarte-toi, va dans un lieu où tu vas rester seul avec ton Dieu. Amen. Et c'est à partir de ce moment que tu contemples la gloire de Dieu. Que tu lèves les yeux. Je ne parle pas des yeux physiques que nous avons, les yeux de ton cœur. C'est-à-dire, tu élèves ton âme vers le Seigneur. Et tu t'exprimes à ton Dieu. Quand tu es dans cet état, c'est le Saint-Esprit qui te donne les mots. Le langage humain ne peut pas exprimer ce que tu ressens. Et là, c'est le parler en langue. Des fois, tu es couché, les larmes coulent. Tu n'as pas envie d'arrêter. Tu pries, tu n'as pas envie d'arrêter. Le Saint-Esprit te montre les bienfaits de Dieu. Il te montre comment tu as commencé, où tu étais, comment tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Il te relate ces choses. Et quand tu lèves les yeux, tu vois, c'est comme si le Seigneur t'aimait plus que les autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu te mets à louer le Seigneur.
tu vas parler en langue sans te fatiguer. Mais quand la prière est superficielle, pendant que tu es en train de prier, déjà ta pensée est sur ce que tu as fait tout de suite, le film de 19h qui va passer. Comment l'autre va manifester la jalousie? Comment l'autre va se venger? Comment l'autre homme va prendre une deuxième femme pour coquifier sa femme? Comment tant? Ta pensée est là-bas, tu es en train de prier ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu ne vas même pas aller loin. Des fois, tu restes dans cette prière-là et puis le sommeil te prend. Parce que ce n'est pas inspiré. Alléluia. Cette prière n'est pas inspirée, bien-aimé. C'est pourquoi celui qui veut prier, quand tu t'es mis à l'écart, ne te lève pas tout de suite pour entrer dans la prière. Cherche les champs de recueillement. Amen. Tu veux vraiment prier, tu es décidé à prier, commence par les champs de recueillement. Il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut vivre cette chanson que tu as choisie. Il faut penser à ce que la chanson dit. Il faut vivre cette chanson. Tu ne vas même pas chanter deux chansons. Tu vas rentrer dans la prière. Tu vas t'oublier. Tu vas oublier tout ce qui est autour de toi. Et tu vas rentrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Et la prière va commencer. C'est là que l'Esprit de Dieu intervient. Amen. Le parler en langue, ça nous permet de nous édifier nous-mêmes. La Bible dit, celui qui parle en langue en tant que don, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu. Amen. Parce que ce qu'il dit, la personne ne le comprend. Mais ce sont des mystères qu'il est en train de dire à Dieu. Amen. Donc c'est pour ton édification personnelle. C'est pour ta croissance spirituelle. Ce que nous avons là, c'est le corps humain. Mais Dieu a implanté en nous une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit être nourrie. Quand on parle de nouvelle naissance, une nouvelle vie a été implantée en nous. Cette nouvelle vie-là doit être nourrie. Et notre esprit est nourri par trois choses. Ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous regardons. Voici les trois choses qui nourrissent notre esprit. Donc le chrétien doit choisir ce qu'il lit. Parce qu'en lisant, tu es en train de nourrir ton esprit. En écoutant, tu es en train de nourrir ton esprit. En regardant, tu es en train de nourrir ton esprit. Peut-être que vous n'avez pas fait certaines expériences au primaire. Je suis parti en congé au village. À l'époque, à notre temps, on faisait des soirées dansantes pendant les congés. Puis on invitait des camarades qui venaient avec les chansons congolaises. On était au beurre. Les congés sont finis. On a veillé cette nuit-là. Les congés sont finis. Moi, j'ai pris mon sac le lendemain pour monter dans le camion. Je suis dans le véhicule. J'ai oublié même que je suis dans le véhicule. Parce que la même chanson là, c'est en train de sonner ici. Je suis venu avec ça chez moi. On a dormi. Le lendemain, on a pris notre sac pour aller à l'école. On arrive, notre instituteur dit « dictée ». On a pris la feuille. On a tous écrit « dicté ». Tout le reste là, c'est quand le maître a dit « déposez les bics ». Ma feuille est vierge.
ma fille est vieille, je ne sais pas comment je vais faire. Pourquoi? Parce que depuis que je suis assis là, c'est la musique congolaise là qui est en train de sonner. Je ne suis pas présent. Peut-être que ça ne vous a jamais arrivé. Bien-aimé, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis, c'est ce qui nourrit ton esprit. Choisis ce que tu regardes. Choisis ce que tu lis et choisis ce que tu entends. Si tu veux grandir spirituellement, mais si tu choisis ce qui va nourrir la chair, tu es en train de regarder. Viens. On va l'attraper. Moi, je sais qu'ils vont l'attraper tout de suite. Tu es en train de nourrir ton esprit comme ça. Ça va se répercuter sur ton foyer. Tu es en train de nourrir la haine, la vengeance. Ça va se répercuter sur ta relation avec les autres. C'est quoi tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Quels sont les livres que tu lis? Bien-aimé, deux ans après ma conversion, les liens du monde étaient encore dans ma vie. Parce que j'avais des journaux à l'époque. Quand tu lis, c'est des relations humaines qu'on décrit dedans. Comment il faut aborder une femme? Comment il faut aller dans une boîte? Comment il faut inviter? Comment il faut faire ceci, cela? Les dialogues qui se font dedans. On appelle cela les photoromans. J'étais ancré dedans. Au départ, je payais chaque fois. Et le vendeur finalement m'a dit, non, tu vas finir ton argent. Ce que je te propose, tu envoies 200 francs, tu prends un, ensuite tu finis de lire, tu viens prendre l'autre. Sinon, si c'est pour payer 500 tous les jours là. Donc, c'est ce que je faisais maintenant. Mais vous savez ce qui va m'arriver? À un moment donné dans mon quartier, quand les femmes viennent puiser de l'eau, tant que Félix n'est pas venu, elles ne vont pas partir. Et il faut appeler le petit frère de Lambert. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as lu? Quand je suis en train d'expliquer, on dirait qu'elles sont en train de regarder la télévision. Je dis, ça agit sur ma démarche, ça agit sur mon langage, ça agit sur ma vie. Je me suis converti. Mais quand je passe, moi je ne pense pas que j'ai séduit quelqu'un. Quand je passe, on dit, toi là, mais j'ai fait quoi? Finalement, je ne sais pas. Ça, c'est quelle manière de marcher ça? Bon, je ne sais pas, je ne savais plus ce qu'il faut faire. Je suis allé voir mon encadreur. Je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit, frère, cherche à être rempli du Saint-Esprit. C'est quand j'ai été rempli du Saint-Esprit que j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit m'a montré la colère. Voici ta vie. Parce que quand je me mettais en colère, quatre personnes ne pouvaient pas me maîtriser. J'étais dans une colère rouge. Le Saint-Esprit me montre mon état. Comment tu vas vivre dans ton foyer? Parce que quand tu vas quitter au travail pour venir, les enfants vont chercher à rentrer dans leur trou. Maman va dire, votre papa arrive, mais elle aussi, qu'est-ce qui va se passer où? Donc, c'est quel papa tu seras? Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. J'ai demandé le secours du Saint-Esprit. Ce jour-là,
Je ne sais pas à quelle heure j'ai dormi. J'ai prié, prié, prié. Et puis, je suis resté en train de parler en langue. J'ai décidé de prendre tous les vendredis pour prier pour cette faiblesse. Je ne peux pas vous dire, c'est en un an ou bien en deux ans que le Seigneur m'a libéré. Mais j'ai constaté qu'après six mois, je venais du travail et on essayait de maîtriser quelqu'un qui était dans la colère, qui tremblait. Quand je l'ai vu, j'ai eu pitié de lui. Quand je l'ai dépassé, l'esprit me dit, tu étais comme ça. Je dis, donc le Seigneur m'a libéré. Je ne connais pas la date exacte, mais c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a libéré. Quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu te communique ta vie. L'Esprit de Dieu, quand tu t'ouvres à lui, il te révèle les choses cachées. Le parler en langue est très très important pour nous. Alléluia. Ça nous permet notre croissance spirituelle. Ça nous permet, en tout cas, ça nous conduit dans la prière. L'Esprit donne la puissance à nos prières. En priant par le Saint-Esprit, Jude, verset 20. Éphésiens 6, 18 dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Par l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Et Jude, le verset 20. Quand nous prions par l'Esprit, le Seigneur nous donne la puissance. Quand on dit prier par l'Esprit, c'est-à-dire c'est l'élan de cœur vers l'Esprit de Dieu. L'élan de cœur qui nous pousse à louer le Seigneur. Et quand l'Esprit de Dieu s'unit à nous dans cette adoration, bien-aimés, vous pouvez prier des heures et des heures sans vous arrêter. Et ça, quand vous rentrez dans cette prière, il n'y a rien qui soit impossible. Le Seigneur intervient. Ça devient une prière efficace, une prière puissante, une prière agissante. Amen. Donc, ça nous conduit dans la prière. Romains 8, 26 à 27 dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Quand on est en train de prier avec une autre intelligence, le plus souvent, on ne dit pas ce que le Seigneur attend de nous. Mais quand on est uni à l'Esprit de Dieu, qu'on est en train de prier en langue, la prière que tu devais faire et que tu n'es pas en train de faire, le Saint-Esprit va te le communiquer et dans ton parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à ta place et qui intercède à ta place. Amen. Les gens se demandent pourquoi dans la prière ils pleurent. Pourquoi dans la prière, il pleure, les larmes coulent, il est couché à terre. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Il sait ce qui convient pour toi parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Il puise dans la pensée de Dieu et ce qui te convient, il te le communique. Et c'est dans le langage spirituel que tu exprimes cela. C'est pour ça que nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Comment tu vas faire ça? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. On a dit hier, le but principal, c'est d'évangéliser. Mais tu as besoin de croissance. Tu as besoin d'être un vrai chrétien. Et puis l'Esprit se communique. Amen. L'Esprit se communique. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même s'il est dans une autre chambre, quand il est en train de prier en langue, toi qui es ici, ça va te prendre.
tu vas parler en langue. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin de ça. On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour que nous soyons édifiés, pour que nous puissions grandir, pour qu'il y ait une différence entre nous et les autres. Nous devons opérer dans le surnaturel. Un chrétien qui n'opère pas dans le surnaturel, tu es toujours naturel, tu es toujours humain, c'est fini. Oh, on dit tu es enfant de Dieu et Dieu est esprit. Amen. Si tu es enfant de Dieu, Dieu est esprit, Dieu, il veut habiter en toi. Pour que toi aussi tu sois spirituel. Amen. Nous devons développer notre côté spirituel. N'attendez pas qu'on proclame ici, dimanche qui vient là, il y a jeûne et prière. Et puis même quand on dit il y a jeûne et prière, dimanche qui vient là, ça commence à murmurer. Oh, vraiment. Parce que les jeûne et prière aussi. Jeûne et prière. On a fini le culte. On dit, bon, on va prendre une pause de 5 minutes et puis on va commencer notre jeûne et prière. Chut! On s'en va. Non, non, ça dit, j'ai un programme, il y a quelqu'un qui m'attend prochainement. On se trouve avec 20 personnes. Pourtant, pendant que le dimanche, là, on remplit tout ici. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si tu veux, il faut partir. Mais si tu es vide, ta croissance ne va aller nulle part. Tu seras à l'église. Mais tu vas trouver que les témoignages que les autres rendent là, ils exagèrent. Parce que tu n'as jamais vécu ça. Ce que les autres vivent, ils viennent rendre témoignage. Toi-même, tu dis... Lui là aussi, il exagère trop. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est depuis, ça fait 2 ans que tu es rempli, tu n'as jamais été renouvelé. Ton palais en langue vide là est là. Donc, tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas faire d'expérience avec le Seigneur. Vous savez, ce qui fait grandir le chrétien, ce qui nous rend solides dans la foi, c'est nos expériences que nous faisons avec le Seigneur. Personne ne peut t'arracher ça. Vous comprenez? Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, tu l'as vécu personnellement. Personne ne peut t'arracher ça. J'ai entendu la voix du Seigneur audiblement. Je l'ai entendu personnellement m'appeler. J'ai mon responsable qui m'a dit, pendant mon culte de famille, là aujourd'hui à 5h, je voudrais que tu viennes prêcher. Je ne me suis jamais levé à 5h du matin. J'ai l'habitude de me lever 6h30, 7h. On me dit à 5h de venir prêcher. Donc avant de me coucher, je dis, ah Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Donc, il faut me réveiller à 5 heures. Ah, moi, je suis direct, hein? Parce que ce n'est pas mon habitude. Réveille-moi à 5 heures. À 5 heures du matin. Co-co-co, Félix. Co-co-co, Félix. Je me suis réveillé. Je dis, qui m'appelle à l'heure comme ça? J'ai oublié ma prière. Je vais, j'ouvre la porte, il n'y a personne. J'ai fermé tout doucement, je suis venu me coucher. C'est là que je me suis rappelé, j'ai dit au Seigneur de me réveiller. Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Tout tremblant. J'ai préparé une petite exhortation. Je suis parti. Bien-aimé, quand on m'a donné la parole, j'ai prêché pendant 15 minutes. Quand j'ai dit prions, on a passé 2 heures du temps dans la prière. Tout mon corps a été, mes habits étaient trempés. On a commencé à 5 heures, c'est à 7 heures qu'on s'est séparés. Vous comprenez? Cette expérience-là, si quelqu'un
Il y a un pasteur français à la radio qui dit, il y a des gens qui disent ils ont entendu la voix du Seigneur. C'est des blabla. La parole de Dieu, c'est la Bible. Je dis d'accord. C'est ta conviction. Mais moi, je l'ai vécu personnellement. Tu ne peux pas m'arracher ça. Alléluia. Lui n'a jamais vécu ça. Mais moi, je l'ai vécu personnellement. Et lui n'a jamais vécu ça. Il ne peut pas comprendre. Bien-aimé, faites des expériences avec Dieu. Rentrez dans les profondeurs. Allez en intimité avec le Seigneur. Personne ne va vous dire venez à l'heure à l'église. Même s'il y a la pluie, vous allez courir sous la pluie. Parce que vous savez en qui vous avez cru. Alléluia. Ce sont nos expériences qui font qu'on est attaché au Seigneur. L'apôtre Paul, ce n'est pas en vain, il dit je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas en vain. Il est resté en train de faire exhortation. Il devait partir. Il est en train de faire exhortation, enseigner sur la Sainte-Seine, sur beaucoup de choses. Et ils étaient à l'étage. Voilà un enfant qui est assis à la fenêtre, qui est en train d'écouter. Sommeil le prend. Il quitte à l'étage. Il tombe. Donc, un enfant qui quitte à l'étage pour tomber, tout le monde regardait l'apôtre Paul. Trop tué dans le machin. Voilà, maintenant il a tué l'enfant des gens. Il a pris l'enfant, il a mis contre son cœur. Il dit son esprit est là, il n'est pas mort. Il sait en qui il a cru. Il sait quelle prière il a adressée à Dieu. L'enfant est revenu et il a donné l'enfant à ses parents. Vous comprenez? Le parler en langue est important. C'est le langage de l'esprit. Si tu es humain, tu peux utiliser le langage des humains pour que les autres puissent comprendre ce que tu dis et dire amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand nous sommes en plein culte, il ne faut pas parler en langue. C'est-à-dire, on dit de prier un à un, et puis tu te lèves, tu es en train de parler en langue. Mais qui va dire amen à ce que tu es en train de dire? Ça n'a pas de sens. Même peut-être que tu es en train de dire de bonnes choses, mais ça n'a pas de sens. Personne ne pourra dire amen à ce que tu dis. Donc l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais quand je suis dans l'assemblée, je préfère dire deux mots dans un langage connu pour qu'on me puisse dire amen, pour que le peuple soit édifié. Mais quand je suis seul et que je dois prier, le langage humain là, je mets de côté. Peut-être que c'est les 5 minutes qui commencent quand j'ai fini de chanter. Peut-être que c'est les 5 minutes là, mais après, je suis avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit nous aide. Et quand on parle en langue, le Seigneur fait de grandes choses par nos mains. Le Seigneur nous délivre de la main de l'ennemi par le moyen de parler en langue. Le Seigneur fait de grandes choses. Il donne la puissance dans la prière. Le Saint-Esprit inspire la louange. Alléluia. Dans le texte de base, ceux qui étaient venus nous ont dit, comment est-ce que nous les entendons tous en train de louer le Seigneur dans nos langues maternelles? Le Saint-Esprit inspire la louange. Il apporte la louange. Quand on est dans la prière intense, le plus souvent, on ne sait pas d'où les mots nous viennent. Il inspire la louange. Bien-aimés, les chantres, je voudrais que vous compreniez que la louange a commencé au ciel. La louange, c'est pour l'Éternel des armées. On loue
quand on fait la louange, ça fait partie du culte dédié à Dieu. Et quand tu loues, par ta louange, les démons fuient. Amen. Par la louange, les démons fuient. Saül avait un démon. Quand il a laissé son onction pour aller prendre l'onction de Samuel, le Seigneur l'a rejeté. Il avait un démon qui faisait que la folie venait de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On allait chercher un jeune chante de l'Éternel. On a envoyé David avec sa flûte. Quand ça ne va pas, quand il est agité, David prend sa flûte et se met à louer le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Et quand il est en train de louer, le démon ne peut pas rester. Saül se retrouve. Amen. La louange guérit. La louange soigne les blessures. Il y a beaucoup qui sont venus à l'église à cause de la louange. Ils ont été invités et quand ils sont venus, la première chanson, ça les a touchés, ils sont restés. Des fois, on quitte à la maison chargé. Des problèmes, peut-être même qu'on s'est querellé à la maison avant de venir. Monsieur est devant, madame est derrière. Et puis on arrive, on s'assoit côte à côte, comme si ça allait bien. Mais quand la louange commence, quand ce que la louange dit, ça nous touche. La louange nous décharge. Ça nous décharge, ça nous décharge. Et ce problème-là, avant même d'arriver à la maison, chéri, pardon, faut me pardonner pour ce qui s'est passé. Je vois que c'est moi qui suis en faute. Non, tu n'as pas à me demander pardon. Moi-même, je me vois aussi en faute. En tout cas, la louange a déjà réglé la chose. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voulez chanter, ne chantez pas pour faire plaisir à l'assemblée. Alléluia. Non, peut-être que ça ne se passe pas ici, mais en Côte d'Ivoire. Une fois, nous sommes allés à une pastorale nationale. Et on a appelé un groupe pour venir, en tout cas, apporter la louange. La sœur vient, elle entonner un chant, deuxième chant. Nous, on est assis en train de l'écouter. On est édifiés. Et les pasteurs applaudissaient un peu pour moi. Elle a tout gâté. Alléluia. Tu chantes pour le Seigneur ou bien tu chantes pour les pasteurs? Amen. Tu veux louer le Seigneur. Tu veux chanter. Chante pour l'Éternel. Tu es en train de porter un culte à l'Éternel, le Dieu vivant. Et quand tu es en train de t'adresser à Dieu, les enfants de Dieu qui écoutent ta louange, ils rentrent dans l'adoration avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimais le groupe Gaël. Alléluia. Quand ils sont en train de chanter, d'autres même ont les yeux fermés. Alléluia. Pendant la louange, pendant leur adoration, même les chantres, la chorale qui est là, d'autres même oublient qu'ils font partie de la chorale, elles sont à terre. Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est uni au chantre en train d'adorer le vrai Dieu. Alléluia. La louange est importante. Elle s'adresse premièrement à Dieu avant d'édifier l'assemblée de Dieu. Gloire à Dieu. Il est important d'apporter la louange en communion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue, ça inspire la louange. Ça, c'est ce qui nous pousse dans la louange. Amen. Soyons au nombre de ceux-là
qui cherchons le Saint-Esprit. N'attendez pas qu'on vous dise d'aller prier avant d'aller prier. De jeûner avant de jeûner. La vie chrétienne, c'est une individualité dans une collectivité. Avant que ça ne soit collectif, c'est d'abord individuel. Amen. Si tu ne fais, tu mènes pas ta propre vie chrétienne, tu ne cherches pas ta relation avec Dieu, tu seras dans la collectivité, mais tu ne seras pas en communion avec la collectivité. Parce que les enfants de Dieu sont en communion les uns et les autres par le lien du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. Et toi, tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Tu es dans la collectivité sans être en communion avec la collectivité. Bien-aimé, chercher le Saint-Esprit, chercher la plénitude du Saint-Esprit, c'est important pour toi-même avant que ça ne devienne important pour les autres. Il faut le rechercher. Après mon baptême d'eau, on était 8, 5 filles, 3 garçons. En moins de 3 mois, les 5 filles étaient remplies du Saint-Esprit. Nous, les 3 garçons, on se regarde. Rien. Bien-aimé, je ne pouvais plus, quand on dit je viens de prier là, c'est pour pleurer seulement. Donc, je prenais des moments. Ma tante était fâchée. C'est quelle église on va dedans, on ne mange pas. Toi, ton église là, tu fais comment? Mais elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce que je vis, elle ne sait pas ce que je désire. Mais quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, quand les gens viennent à la maison et puis ils disent, Félix, il faut ouvrir le frigo, tu as envoyé une bière. Et puis, pardon, ton fils là, nous on le respecte. Mais il vous a fait quoi? Mais puis vous avez peur de lui. Parce qu'ils ont vu l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Ils ont vu l'Esprit de Dieu en moi. Bien-aimé, tu veux être en communion avec Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Parle la langue, ne te réserve pas. Le Seigneur, disons l'apôtre Paul dit, n'empêchez pas les hommes de parler en langue. Parler en langue là, c'est pas pour un groupe de personnes. Parce qu'il y a des dénominations qui disent que parler en langue là, il faut être responsable de l'église, diacre, ancien, pasteur, apôtre, pour parler en langue. Non, les autres là, non, ce n'est pas pour eux. Mais Marc 16, à partir du verset 17, dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en langue. Est-ce qu'il a dit, en mon nom, les apôtres vont parler en langue? Tous ceux qui auront cru, ils vont parler en langue en mon nom. Donc, que tu sois pasteur, que tu sois un chrétien simple, tu es enfant de Dieu, tu as cru en Jésus-Christ, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour toi. Il y a des milieux où on dit le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nos jours. Le Seigneur avait donné ça aux apôtres pour implanter l'église primitive. Maintenant, l'église est partout. On n'a plus besoin du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui parlent en langue actuellement, c'est le langage des démons. Ils sont en train de parler. Ça, ce n'est plus notre temps. C'était le temps apostolique qu'on devait être rempli du Saint-Esprit. Ces églises évangéliques, là, elles sont là pleines. Mais quand on prend Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 39, l'apôtre Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous reçoive le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse là, c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Vous, ça veut dire les Juifs, vos enfants, les enfants des Juifs. Et c'est pour tout ce que le Seigneur appellera au loin. C'est-à-dire vous et moi, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Alléluia.
Est-ce que le Seigneur a cessé d'appeler? Le Seigneur a cessé d'appeler? Il n'y a plus de conversion? Il n'y a plus d'évangélisation? Tant qu'on continue d'évangéliser, tant que la moisson continue, la promesse tient. Alléluia. Donc celui qui vous trompe par ses paroles, dites, montrez-lui Actes chapitre 2, verset 38, verset 39. Faut lire ça. Alléluia. Ou bien il enlève la page là dans la Bible, alors je ne vais plus chercher le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il est bon de rechercher le Saint-Esprit parce que ça nous instruit. Parce que ça nous rend intelligents. Ça nous rend puissants. Ça nous conduit dans la prière. Ça nous conduit dans l'intimité avec Dieu. Amen. Ça pousse les gens à recevoir des révélations. L'apôtre Paul était en prison. On l'a pris dans le bateau pour le transporter ailleurs. C'est chemin faisant. Il y avait le vent et les gens pensaient que le bateau va faire naufrage. L'apôtre Paul prie et le Seigneur lui dit, personne, même avant de partir, le Seigneur lui a dit, vous ne perdrez personne parce que tu es au milieu d'eux. Aucun d'entre eux ne se perdra. Donc quand les gens voulaient prendre les bagages pour jeter à l'eau, ceci, cela, Paul s'est levé et dit, ce que vous faites là, si vous faites... Le Seigneur va enlever sa main sur nous. Laissez. Personne ne se perdra. Restez tranquille. Alléluia. Il a reçu la révélation. Ils ont voyagé sans problème. Parce que Dieu du ciel lui a révélé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait une communion avec son Dieu. Amen. Si tu es en communion avec Dieu, le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de révélation. Par la prière de Daniel, le Seigneur lui a révélé le songe de Nebuchadnezzar et son interprétation. Et grâce à cela, il a sauvé le peuple babylonien. Ils ne sont pas morts. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Même les Babyloniens ont dit, si on veut chercher un autre moyen pour attaquer celui-là, on ne pourra pas. Allons-y dans sa loi, c'est là-bas on va le gagner. Ils sont partis avec ruse pour dire au roi, il faut interdire l'adoration d'un autre Dieu sur tout le territoire, je veux dire ivoirien, sur tout le territoire babylonien. Alléluia. Le roi n'avait pas compris au départ que c'était un complot contre Daniel, son ami. C'est quand il a déjà signé les décrets, ils sont partis en guet-apens. Il regarde maintenant, parce que le juif, quand il veut prier, il ouvre sa fenêtre en direction d'Israël et puis il se met à prier, c'est-à-dire vers l'est, le soleil levant. Et puis il se met à prier. Ils sont là. Guetter ce dernier. Lui, quand il a appris, il a continué à prier, à faire ses trois prières de la journée. Ils l'ont vu, surpris en train de prier, ils sont allés rapporter. Pourquoi? Parce qu'il a une vie de prière. Et sa vie de prière a envoyé cette épreuve sur sa vie. Mais quand on l'a mis dans la fosse au lion, le Seigneur a envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Parce que son enfant est là. Le roi n'a pas dormi. Le lendemain, à l'aube, Daniel, ton Dieu que tu pries tant, est-ce qu'il est venu à ton secours? Daniel, dans la fosse au lion, dit, mon Seigneur, vis éternellement. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule au lion. Alléluia. Parce qu'il avait une vie de prière. Est-ce que tu as une vie de prière, une vie de consécration à l'Éternel? Est-ce que ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu? La prière, c'est l'élan du cœur. Ce n'est pas quelque chose de superficiel.
Ne sois pas distrait dans la prière. Sinon, ce que tu fais, ça ne dépasse pas le toit. Amen. Bien-aimé, le parler en langue, il est dit ici que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ceux qui adorent le Seigneur, il faut que ce soit par ton esprit, que ce soit ton esprit en contact avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour nous aider et il doit demeurer en nous éternellement. Son devoir là, permet-lui de le faire. C'est lui qui va te conduire dans la prière. Le langage humain là, ça ne suffit pas pour adorer Dieu. Ça ne suffit pas pour louer Dieu. Quand on commence, les mots manquent. Alors l'Esprit de Dieu intervient et on se met à parler en langue. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Ouvrons notre cœur. Lève les yeux vers le Seigneur. Amen. J'aime beaucoup cette chanson. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je chantais cette chanson au départ sans comprendre. Mais la chanson dit: si je lève les yeux vers les montagnes de difficultés, les montagnes de problèmes, les montagnes de maladies, si je lève les yeux vers ces montagnes, d'où me viendra le secours? Au lieu de lever les yeux vers les montagnes, je lève les yeux au-delà de la montagne, vers l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas la montagne. Lui, il est au-dessus des montagnes. Amen. Si tu lèves les yeux vers l'Éternel, les montagnes vont s'aplanir. Si tu lèves les yeux vers les montagnes, les collines vont s'aplanir. Si tu lèves vers le Seigneur, les montagnes vont s'aplanir. C'est pourquoi la louange suscite la foi. Vous comprenez? La louange suscite la foi. Parce que la louange te pousse à regarder en arrière. Tu as traversé ça. Tu ne savais pas comment faire pour t'en sortir. Mais Dieu t'a fait sortir de là. Et puis à telle date, tu étais dans telle difficulté. Il t'a enlevé de là. Ici, dans tel examen, il t'a fait sortir. Dans telle situation, tu ne savais pas quoi faire. Mais si il m'a libéré ici, il a fait ça, il a fait ça, c'est que ce qui est devant moi là, c'est rien. Alléluia. La foi revient parce que la louange t'a fait un rétro. Ayons la vie de prière. Prions par l'esprit. Prions par notre intelligence. Prions en langue. Quand nous sommes seuls, prions beaucoup en langue. Amen.